Elles représentent 60% de la population sud-soudanaise, mais leur rôle est souvent minimisé. Les femmes veulent aujourd'hui faire entendre leur voix et réclament une place dans le leadership de cette toute jeune nation. Des décennies de guerre ont abouti à l'indépendance du Soudan du Sud, région séparatiste du Soudan, le 9 juillet 2011. Si elles n'étaient pas aussi nombreuses à combattre sur la ligne de front que les hommes, le soutien des femmes sud-soudanaises à l'Armée populaire de libération a été une contribution majeure. On m'avait affecté au département des médias, si on peut appeler cela comme ça. C'était la radio SPLA. À l'époque, tous les auditeurs connaissaient cette radio. Nous avions une organisation et elle correspondait presque à n'importe quelle autre organisation masculine. L'indépendance, le point culminant de l'accord de paix de 2005, a mis fin à 20 ans de guerre civile. Une guerre qui a tué 2 millions de personnes. Les femmes ont joué un rôle dans le processus de paix, une contribution souvent sous-estimée. La femme reste un artisan de paix invisible. La participation des femmes au processus de paix reste l'un des points les moins appliqués de l'agenda relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité. La guerre a laissé le pays dans une pauvreté chronique, dans l'insécurité, sans infrastructures ni système de santé et éducatif fiable. Malgré des revenus pétroliers de plusieurs milliards de dollars entre 2005 et 2011, le gouvernement peine toujours à bâtir ses institutions et à assurer les services de base. Aujourd'hui, plus de 80% des Sud-Soudanais ne savent ni lire ni écrire. Le taux d'illettrisme féminin compte parmi les plus élevés au monde, selon l'UNICEF. Outre le manque d'infrastructures et de moyens, les jeunes filles font face à d'autres défis, plus spécifiques à leur genre. Pour les filles, il y a le mariage précoce qui est encore très pratiqué dans de nombreuses communautés où on croit qu'une fille est faite pour se marier. L'accord de paix global n'a pas totalement évincé les femmes du domaine politique. Au moins 25% des sièges leur sont réservés. Mais si les postes ont été pourvus au niveau national, dans les assemblées locales, les femmes restent sous-représentées. Au-delà du processus décisionnel, les femmes entendent aussi jouer un rôle dans le développement économique. Reste à combler le manque de moyens. Une réunion des Nations Unies sur la question du genre organisée l'année dernière a proposé quelques pistes. Ces recommandations incluent l'accès des femmes au capital et au crédit à des taux préférentiels pour leur permettre de lancer une activité économique. L'ONU demande aussi au gouvernement de consacrer 25% des investissements agricoles aux agricultrices. L'organisation internationale souhaite aussi que soient alloués des fonds à la santé et à l'éducation de la femme et à sa sécurité économique et physique.